Oh maman, mais Julien, c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que tu peux faire ça? Ah, mais oui. Mais voilà, mais j'ai rien fait, de toute façon ça intéresse personne. Et puis voilà, j'ai. Et puis, hein, puis de toute façon ce que je fais que. Je fais rien avec l'ordinateur, juste Minecraft. Ah, mais Julien, t'es vraiment. Maintenant je te le confie, c'est plus possible. Tu fais n'importe quoi, mais rends-moi cet ordinateur. Non. Et va t'excuser auprès de Pierre. Quoi, mais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais va. Mais maman. Non, Julien, vraiment, il exagère. Maintenant, je prends l'ordinateur et va dans ma chambre, ok? Mais non, mais. Mais j'ai rien dit. Ah, mais. Eh oh, calme-toi, arrête, Julien. Mais je veux mon ordi. Bon, allez, va dans ta chambre. T'as des arbres, t'as plein de choses à faire, non? Des devoirs. Non, mais ok, je l'ai fait, ça marche. Oh. Bon. Voilà, c'est bon maintenant. Très bien. Je fais mes devoirs. Super. Ah, je peux pas faire mon portable. Pas! J'ai ma tablette. Bien sûr que je peux y jouer. Je l'avais bien cachée. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Qui c'est qui l'a supprimé? Emma, qu'est-ce que t'as fait avec ma tablette? Hein? Un peu, je vois des applications de princesse. Mais quoi? Mais. Tu sais pas quoi choisir. Mais non, mais c'est pas possible! Ah, mais j'en ai marre! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu frappes le mur? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis si fort que ça ou. Julien! T'as cassé ma chambre! Mais non, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Julien, tu devais faire tes devoirs normalement. Alors, oui, alors. Je voulais pas. Enfin, voilà, je voulais juste un peu tapoter le mur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Oh, mais bien sûr! Tu t'es complètement. T'as perdu contrôle! Mais qu'est-ce qui se passe, Julien? Mais pourquoi tu es si en colère? Ah, mais tu vas être puni toute ta vie! Dans ta chambre! Quoi? Oh, mais non, laisse au moins 5 ans! Oh! Oui, Stéphane, oui. Non. Il n'y aura pas les enfants, non? Il était. Oui. On a eu un petit problème à la maison. Est-ce que tu peux réparer, s'il te plaît? Oh. Moi, je vais me calmer avec cette glace. C'est pas possible! Non, mais là, ça devient trop. Ça va trop. Oh, Stéphane! Ouf! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi de nouveau. Oui, non, mais il y a Julien qui. Voilà. Moi, bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le mur est cassé entre la chambre de Julien et d'Emma. Non, t'en fais pas. On va trouver ça. On va tout résoudre. Allez! Allez, calme-toi, assieds-toi et je monte. Ah, super, je peux pas m'en occuper. Heureusement que oncle Stéphane est là, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors. Oh, j'ai vu la voiture de Stéphane, oh, super! Qu'est-ce qu'il nous fait? Une nouvelle toboggan, nouvelle piscine? Oh, on va voir. Bon, alors. Il y a une super surprise qui m'attend dans le salon. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Claudia? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a Stéphane ici? Ben, il y a du dégât en haut. Avec les enfants, il essaie de réparer tout ça. Voilà. Vous avez cassé ça comme ça? Mais vraiment. Là, je peux plus, hein. Je crois que je me suis refroidie. Enfin, je commence à être malade. Je tousse, moi. Ouais. Tu peux essayer de réparer, hein. Et puis, de toute façon, je veux pas partager la chambre avec ma soeur, donc il me faut cette séparation. Hein, tout ce vent complètement. Tout ce mur complètement cassé. Non, mais alors, moi non plus, je veux pas le voir tous les jours. Il va m'énerver sinon. Oh, salut, oncle Stéphane. Qu'est-ce que tu nous fais? Moi, je peux plus le voir, il m'énerve. De toute façon, Julien. Alors là, tout un mur? Ouais, en fait, on voudrait un mur ici. Alors, pourquoi il veut un mur à voir? Bon. Alors,
attention, je vais avoir besoin de place pour travailler. Ok, moi de toute façon, je m'assieds là. Voilà. Vite, on va dans ma chambre tant qu'il y a les travaux. On peut aller jouer, viens. Ok, donc c'est parti. Mais j'ai tout, heureusement. Ok. Bon, bah les enfants sont déjà partis, parfait. Donc j'ai de la place pour travailler. On va construire ce mur. Pouf, il me voit pas. Je peux rester ici et je peux observer. Je me demande pourquoi ils veulent un mur ici. Est-ce que j'ai bien compris? Ah si, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, ben voilà. Puis j'ai mis une fenêtre comme ça, hein. Mais je ne comprends pas. Pourquoi fermer toute une chambre? Bon, ben ok. Bon, mais mon travail est fait. Bon, c'était facile. Allez, on rentre. Yes, il est parti. Oh, j'ai mon propre mur et ma propre chambre, du coup. Ah, trop cool. Bon, mais je peux jouer à la tablette. En plus, il a une fenêtre. Trop cool. Quand personne... Ah! Voilà, j'étais assez terminée. J'y vais. Allez. Merci, oncle Stéphane. C'est terminé, donc j'ai hâte de voir. À plus, donc salut. Bon, allez, viens, Emma. C'est fini. Oh, cool. Bon, ben, je vais aller voir ma nouvelle chambre maintenant. Hé, hey, Julien. Allez, viens, dans ta chambre. C'est pas mal, hein? Ouais, t'as vraiment ta chambre privée comme ça. C'est parfait. Ah, t'es là aussi, Martin. Merci, hein, d'être venu. Avec plaisir. Bon, allez, les enfants, vous venez? À table. Oh, j'ai faim. Allez, ouh, oui, maman, viens. Oh, à manger. Bon, je vais aller. C'est parti. Mais, elle est dans la cuisine. Bon, je descends. Mais où est la porte? Mais il n'y a pas de porte. Mais je peux pas sortir. Eh oh, mais laissez-moi. Oh, j'ai faim. Bon, oui, Julien. Julien! Peut-être que j'ai été un peu difficile. Allez, bon. Je vais aller voir. Bon. Ok, donc qu'est-ce qu'il a construit, oncle Stéphane? Un peu différent, non? Oh, je ne sortirai plus jamais. Bon, moi, je pourrais jouer tout le temps à Minecraft, mais j'aurais super faim. Ok. Il a mis une fenêtre. Mais c'était pas comme on en avait parlé. Ben, j'espère qu'il y a la porte là. Hein? Mais il n'y a pas de porte. Ah, oh, mais comment on peut aller dans la chambre de Julien? Julien, tu es là? Oui, maman, mais je suis là. Mais je sors pas. Je peux pas sortir, je peux pas aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'a fait l'oncle Stéphane? Ah, je suis désolée. Ah mince, c'était pas prévu ça. Ah mince. Ah ça c'est l'oncle Stéphane. Voilà. Il aime bien construire, mais là il a oublié la porte. Oh bon, je vais te récupérer, hein. Ok, mais je suis sage, je serai tout le temps sage, ça c'est sûr.